living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Got a kiss. Bonjour à tous. Voilà, avant la reprise, on va vous montrer les nouveautés au collège. On est impatients de vous retrouver. À bientôt. Got Chuck's on with Saint Laurent. Got a kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Alors, première petite nouveauté concernant le bus. D'habitude, vous descendiez tout seul. Là, c'est moi qui me chargerai de vous accueillir dans le bus pour m'assurer que vous avez bien tous un joli petit masque. À partir de là, je vous expliquerai un peu comment ça va se dérouler. Vous descendrez un par un du bus. Je vous remettrai du gel hydroalcoolique. Et après, vous descendrez toujours en respectant 1 mètre de distance. Et on verra tout ça à la suite. Ça, c'est pour ce qui est des élèves transportés. Pour les élèves non transportés, un adulte vous attendra à ma gauche, ici, et fera de même. S'assurera que vous avez tous un petit masque, sinon vous en remettra un, une noisette de gel hydroalcoolique, et on sera parti pour le collège. Nathalie, Luc et Jocelyne ont bien accepté de vouloir vous montrer comment ça va se dérouler la marche pour aller jusqu'au collège. Donc on va les suivre jusqu'à l'entrée. Donc ils ont tous et toutes leurs petits masques, avancent tranquillement en respectant 1 mètre de distance. Si jamais vous avez un doute sur la distance, n'hésitez pas à tendre vos petites mains pour vérifier que vous n'êtes pas en capacité de toucher l'épaule de votre voisin. Donc là vous verrez, il y a des petits traits pour vous permettre de vous repérer, toujours pour respecter ce mètre de distance. À l'entrée du collège, il y aura un adulte qui sera présent à côté du portail pour vérifier que les distances, les gestes barrières sont bien respectés. Vous pourrez entrer directement. Donc comme vous avez pu le lire dans le protocole, le carnet de correspondance ne sera plus demandé à l'entrée pour éviter de manipuler des documents. Donc on continue. Donc toujours en respectant ce mètre de distance, on avance tranquillement. Donc là, deux parcours possibles. Soit vous avez une petite envie pressante d'aller aux toilettes ou pour vous laver les mains. Dans ce cas-là, il y a un premier parcours. Soit on vous montrera après le premier parcours. Et dans ce cas-là, vous irez vous ranger directement à l'emplacement prévu que vous aura indiqué directement sur le parking. Donc on vous montre le parcours dans le cas où vous voudriez aller aux toilettes. Pour ce qui est de l'accès aux toilettes, comme vous voyez, tout est fléché. Il y a des distances là encore à respecter. Donc ça aussi, c'est encore indiqué par des points. Pas plus de 2, voire 3 élèves maximum seront autorisés à aller aux toilettes. Mais là encore, un adulte sera présent pour vous indiquer les bonnes mesures à prendre et à respecter. Donc vous voyez sur la vidéo, il y a un sens pour entrer. Et un sens aussi pour sortir, pour éviter que les élèves se croisent. Don't believe me, just watch. Donc là, nos acteurs du jour avec talent
pour vous montrer le deuxième parcours dans le cas où pas besoin d'aller aux toilettes. Donc si pas besoin de passer aux toilettes, on va directement se ranger à l'emplacement prévu et dans la salle dans laquelle on va passer la journée. Et donc là, chacun se range sur un petit point qui a été réalisé au sol. Donc vous verrez, il y a des petits points dans un sens et des petits points dans un autre selon les salles. C'est pour éviter encore une fois que vous soyez trop près ou que vous croisiez. Donc une fois que vous êtes sur vos petits points, ne vous en faites pas, un adulte, un professeur va venir vous chercher pour procéder à la montée en classe. Pour ce qui est du reste, vous allez le découvrir au fur et à mesure, mais vous inquiétez pas, de toute façon, tout va vous être expliqué au fur et à mesure et il y aura toujours un adulte pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Voilà, on vous a tout montré. Pour ce qui est de l'intérieur de l'établissement, vous découvrirez ça au fur et à mesure. En tout cas, on est impatients de vous retrouver. Pas de stress, ça va bien se passer. À bientôt! Don't believe me, just